Depuis plus de 20 ans, l'opposition en Turquie n'a pas remporté une seule victoire au niveau national face à Recep Tayyip Erdogan. La dernière défaite, celle du 28 mai, a été particulièrement rude. Pour la première fois, au prix de nombreuses concessions, l'opposition était parvenue à s'unir. Son candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, avait pris la tête d'une alliance de partis que tout divisait sur le papier, de l'extrême gauche à l'extrême droite, des souverainistes aux pro-européens, des islamistes aux sociaux-démocrates. Encore sous le choc de la défaite, cette opposition turque parviendra-t-elle à rester unie? La politologue Seren Selvin Korkmaz n'est pas optimiste. Le risque, c'est que les opposants perdent tous leurs derniers espoirs et toute motivation pour s'unir à nouveau. C'est l'un des grands problèmes du régime hyper-présidentiel actuel. Celui qui perd, perd tout. L'implosion de cette alliance est aussi la crainte de Serhat, 32 ans, qui a fait campagne pour Kemal Kılıçdaroğlu. En Turquie, tout est basé sur le résultat. C'est vrai dans nos vies quotidiennes et c'est vrai en politique. Il est clair pour moi que l'alliance d'opposition ne survivra pas à la défaite. Comme l'avait dit Kemal Kılıçdaroğlu, cette alliance n'était pas une simple affaire d'arithmétique, une simple addition de voix. C'était un projet de refonte totale du système politique pour les décennies à venir. C'est pour ça que de grands partis avaient fait alliance avec de petits partis qui ne représentent pas grand-chose électoralement. C'était une union autour d'un discours, d'un projet qui inclut tout le monde. Mais ça n'a pas fonctionné, donc la logique veut que cette tentative s'arrête là. Sedat Demiralp, professeur de sciences politiques à l'université Eşek d'Istanbul, veut croire à l'inverse que l'opposition saura rebondir après cette nouvelle défaite. Peut-être que ce sera le début d'un changement plus radical. On a vu par exemple que les jeunes n'étaient satisfaits ni du pouvoir actuel, ni de l'opposition actuelle. Peut-être qu'on assistera à la naissance d'un nouveau mouvement d'opposition ou que l'opposition actuelle saura se renforcer en apprenant de ses erreurs. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le cas de la Malaisie. Là-bas, l'opposition a réussi à renverser dans les urnes un pouvoir autocratique qui se maintenait depuis 60 ans. Elle y est parvenue en créant une alliance. Mais ça ne s'est pas fait en une fois. Peut-être que ça ne suffit pas de créer une alliance. C'est un apprentissage. Donc, si l'on veut être optimiste, on peut se dire que l'opposition turque a déjà parcouru un grand chemin en réussissant à s'unir et à dépasser la polarisation extrême de la vie politique turque. Pour l'opposition turque, maintenir l'unité est d'autant plus crucial que c'est grâce à cette unité qu'aux élections locales de mars 2019, elle avait ravi au pouvoir les plus grandes villes, Istanbul et Ankara. Or, de nouvelles municipales auront lieu dans moins de 10 mois, en mars 2024. À Istanbul, Anne-Laure Pomédien.